Et salut! Et si je te disais que tu avais participé à la découverte d'une vie sur une autre planète? Oui, bon, ok, ça va, j'exagère un peu, mais indirectement, tu as un peu participé à la découverte d'une molécule qui nous permet de mieux comprendre comment la vie est apparue sur Terre et comment elle pourrait apparaître sur une autre planète. T'as peut-être déjà entendu parler du télescope spatial James Webb? Puis, bah sinon, je t'en parle maintenant. C'est le télescope le plus puissant jamais construit. Il a été lancé en décembre 2021 et il a été conçu par la NASA, toujours les mêmes, l'Agence spatiale européenne et l'Agence spatiale canadienne. Puis c'est là que t'as participé, oui, toi, là, parce que quand tu achètes des trucs, que tu payes de la TVA ou que tu payes un peu d'impôts, une toute petite fraction de cet argent a servi à concevoir et mettre en orbite ce télescope. Et une des découvertes dont j'ai envie de te parler, là, aujourd'hui, eh bien, c'est la découverte donc d'une molécule qui est à la base de la vie et qui permet de mieux comprendre comment elle peut apparaître sur d'autres planètes. Alors ça se passe dans la nébuleuse d'Orion, qui est située à quelques 1300 années-lumière de la Terre. 1300 années-lumière, ça fait à peu près 13 millions de milliards de kilomètres, donc juste à côté, quoi. Et Orion, si tu veux, c'est une maternité, une pouponnière, où il y a plein d'étoiles et de planètes en formation dans ce qu'on appelle des disques protoplanétaires. Donc c'est des endroits où du gaz va s'assembler pour donner bientôt des planètes. Et puis Orion, c'est assez sympa parce que tu peux le voir si t'as un petit télescope ou des jumelles par une belle nuit d'été bien ensoleillée. Comment ? C'est donc là qu'une équipe de chercheurs a découvert le cation méthyl. Et puis si ça t'intéresse la chimie, je te donne la formule juste là. Et cette molécule, elle est super importante. Pourquoi ? Parce qu'elle est à la base de deux autres molécules qui sont elles-mêmes la base de la vie. Les deux autres molécules, c'est les acides aminés et l'ADN. Alors les acides aminés, si tu veux, c'est les blocs qui permettent de construire les protéines qui donnent la structure et la gestion des cellules. Et puis l'ADN... L'ADN, c'est notre matériel génétique, c'est ce qui permet de construire et de réparer toutes nos cellules. Donc le fait d'avoir découvert la molécule là-bas, eh ben ça nous permet de nous dire que peut-être des acides aminés et de l'ADN peuvent exister sur d'autres planètes loin de nous. Alors, tout doux, ça veut pas dire qu'il y a de la vie ailleurs, ça veut dire qu'il y a les briques nécessaires pour éventuellement, un jour, construire la vie là-bas. Puis si t'as encore 15 secondes, j'ai envie de te parler d'une autre découverte qui a été faite. Ça a été publié dans Nature il y a juste quelques petits jours, et je suis très content de t'en parler parce que deux astrophysiciens de l'université de Liège, qui sont aussi des potes à moi, eh bien, ont participé à cette découverte. C'est la découverte d'eau dans un autre disque protoplanétaire, donc un lieu où des planètes vont bientôt naître, autour d'une autre étoile qu'on appelle PDS 70. Puis cette découverte, elle tranche un débat qu'il y a depuis très longtemps dans la communauté, parce qu'on ne savait pas si l'eau était amenée, par exemple, sur la Terre ou sur d'autres planètes, eh bien, par des astéroïdes qui tombent dessus et qui sont chargés d'eau, ou si l'eau est présente, eh bien, dès la création de la planète, ce qui la rend potentiellement plus habitable. Donc maintenant, on commence à avoir, un peu partout dans l'univers, des signes que d'autres planètes pourraient être beaucoup plus habitables. À nouveau, attention, on n'a pas encore découvert la vie ailleurs, mais... on s'en rapproche. Allez, je te dis à la semaine prochaine, et n'oublie pas, la science est toujours avec toi.